La FMF est un syndicat indépendant, sans conflit d'intérêt. La FMF n'a plus à faire la preuve de ses capacités de résister. Elle doit lutter contre le harcèlement des médecins, elle doit lutter contre la désertification médicale, elle doit lutter contre les compromissions du premier syndicat de France et du premier syndicat de médecins généralistes qui ont fait en sorte que les médecins, la médecine libérale est dans l'état où elle est actuellement. Les enjeux sont clairs. Il y a une négociation à mener avec une nouvelle convention, mais la FMF n'ira pas négocier pour des miettes. Il y a des marges, et on en a fait la preuve dans notre programme. La protection sociale, c'est de la fac à la carme, enfin. Et ça commence par la féminisation de la profession. Les grossesses pathologiques ne sont pas prises en charge par les assurances. Il y a un délai de carence qui est de plus en plus important et qui est de 15 jours. C'est vrai pour toutes les pathologies qui sont de plus en plus croissantes puisqu'il y a un vieillissement de la population. Les financements, on va les chercher sur les économies qu'on peut faire sur la gestion de la sécu, qu'on peut faire sur la gestion des mutuelles, qu'on peut faire sur l'accès aux urgences. Bouger les choses au niveau national, ça se traduit par une convention médicale qui soit favorable aux médecins et par là favorable à la poursuite de leur exercice libéral et à la poursuite du service rendu à la population. On s'est construit, on s'est porté, on s'est finalisé au service des professionnels, des médecins libéraux et des patients. Mais on sait dire non. On sait dire non à un DGRS, à une ministre, on sait dire non à un préfet, on sait dire non à des collectivités territoriales. Et ça, je crois que c'est un avantage qu'on a par rapport à d'autres. Il faut faire en sorte que les jeunes aient envie de s'installer en libéral, d'exercer en libéral. Il faut faire en sorte que les anciens aient envie de continuer à exercer ce métier. Et la FMF sera là pour les soutenir et sera là pour négocier à la fois au niveau national, mais également en région, face à des ARS toutes puissantes. Donnez les moyens à la FMF de défendre la médecine libérale. Votez pour nous.